Alors, nous allons partager la parole sur. On va parler de la personne de Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ est-il Dieu? Jésus-Christ est-il Dieu? Voilà. Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Et il y a beaucoup de chrétiens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, d'autres disent qu'il l'est. Alors, vous devez savoir également notre position. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il est à la fois Fils de Dieu, Dieu, n'est-ce pas? Le Créateur. Et alors, il y en a qui peuvent se dire, mais oui, mais comment quelqu'un peut-il être à la fois Fils, à la fois Père, à la fois Saint-Esprit, à la fois Dieu, tout ça? Alors, ça ne tient pas. Ben, je répondrai à ces personnes simplement par ceci. Une personne peut être à la fois fils de son père, père pour ses enfants, époux pour son épouse, citoyen de son pays, n'est-ce pas? Et frère de ses frères et sœurs de sang. Donc une personne peut avoir plusieurs, n'est-ce pas, fonctions. Voilà, ça ne choque personne. Alors, voilà, donc Dieu se révèle sous plusieurs, mes amis, identité, plusieurs fonctions pour justement nous donner, n'est-ce pas, une bonne image, la bonne image du Père, la bonne image du Fils, de l'époux notamment. Et voilà, donc le Seigneur Jésus-Christ, il est à la fois Dieu, Fils, et puis pierre vivante, l'eau de vie, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Judas, enfin plein de fonctions. Voilà, il a plein de fonctions. Alors, s'il est Dieu, forcément, il a toujours été là. Parce que Dieu n'a jamais eu de commencement, bien évidemment. Et il n'aura jamais de fin de vie. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, forcément, on doit, bien évidemment, avoir sa trace dès le livre de Genèse. Parce que pour beaucoup de chrétiens, Jésus-Christ a commencé d'exister à partir des évangiles. Et ça, c'est une erreur qu'il faut rapidement, mes amis, rejeter, balayer. N'est-ce pas? Nous allons prendre un passage dans Luc 24. Luc chapitre 24. Nous lisons juste le verset 44. Voilà, Luc 24, 44. Alors, je ne sais pas si notre frère Freddy peut nous faire la lecture de Luc 24, le verset 44. Voilà, Luc 24, Luc 24, 44. verset 44. 44. La Bible dit, car puis il leur dit, c'est là, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans le prophète et dans le psaume. Voilà. Voyez, mes amis, à l'époque du Seigneur, les Saintes Écritures étaient sectionnées en trois parties. Il y avait d'abord les prophètes, d'abord la loi de Moïse, pardon. Il y avait par la suite les prophètes et les psaumes. Voyez, donc il n'y avait pas encore à cette époque, bien évidemment, les Écritures du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance. Et le Seigneur nous fait comprendre ici, il fait comprendre à ses disciples que la loi avait parlé de lui, les psaumes avaient parlé de lui, et également, mes amis, les prophètes. Et en ce qui concerne les prophètes, regardez ce que l'apôtre Pierre nous dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 10 et 11. 1 Pierre 1, 10 et à 11. 1 Pierre chapitre 1er, versets 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Voyez ici, la Bible nous dit que les prophètes qui ont prophétisé, n'est-ce pas, touchant la grâce, les prophètes qui ont prophétisé avant la naissance, mes amis, physique de Jésus-Christ, la Bible nous dit que ces prophètes avaient en eux l'Esprit de Christ. Donc ça veut dire qu'avant l'incarnation de Jésus-Christ, avant que ce Dieu ne prenne la forme humaine, n'est-ce pas, son esprit, n'est-ce pas, travaillait dans les prophètes, travaillait avec tous les prophètes, n'est-ce pas, d'avant
la grâce. Et le dernier prophète qui est venu pour conclure, pour clore, n'est-ce pas, la lignée, n'est-ce pas, des prophètes d'avant la grâce, c'est Jean-Baptiste. Et le Seigneur le dit clairement, n'est-ce pas? Et ça veut dire que tous les prophètes, en commençant par le premier prophète de l'histoire prophétique, c'est-à-dire Énoch, qui a prophétisé sur l'avènement du Seigneur, Énoch, qui est le septième après Adam, avait en lui l'esprit de Christ. Et par la suite, il y a eu un autre prophète, n'est-ce pas? Donc Noé, ce prédicateur de la justice, avait également l'esprit de Christ en lui. Et Abraham, par la suite, qui était aussi prophète, nous dit les Écritures, avait aussi l'esprit de Christ. Donc, tous les prophètes, jusqu'au dernier prophète, n'est-ce pas, d'avant la grâce, c'est-à-dire Jean-Baptiste, avaient l'esprit de Christ. Donc, ça veut dire que avant son incarnation, Jésus-Christ agissait déjà par le biais des prophètes qu'il avait envoyés. Alors, comme je le disais, mes amis, le Seigneur, dans Luc 24, a dit clairement que il est la personne centrale des Écritures, n'est-ce pas? La loi, les psaumes et les prophètes. Donc, Jésus-Christ est la personne centrale. Ça veut dire que si vous suivez Moïse, Moïse ne peut que vous conduire à Christ. Si vous suivez les prophètes, il vous conduit à Christ. Si vous suivez également, mes amis, les psaumes vous conduisent également au Seigneur Yéhoshua. Donc les prophètes conduisent au Christ, n'est-ce pas? Les psaumes également et la loi qui conduit également au Seigneur. Alors, comme il est Dieu, il a eu une préexistence, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il a existé avant son incarnation et nous sommes dans Jean. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, nous lisons nous allons lire les versets à partir du verset 54. Voilà. Donc, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, c'est lui que vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Et là, c'est terrible. Il y a eu un entretien, il y a eu un débat, une confrontation dans le chapitre 8 de Jean entre Jésus-Christ et les Juifs, les pharisiens notamment, les chefs. Et le Seigneur, à la fin, ici, va dire clairement que Abraham, leur père, avait vu son jour. C'est-à-dire que littéralement, Abraham avait eu une apparition, n'est-ce pas, de Yahushua avant son incarnation. Jésus nous enseigne ici clairement que il s'était révélé à Abraham. Et ça, c'est terrible, mes amis. Il annonce clairement ici que il s'était manifesté à Abraham. Et Abraham l'a vu. Il a vu la représentation de ce Dieu. Alors les Juifs lui disent, mais attends, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham, n'est-ce pas? Il a dit, mais tu es malade. Donc ça veut dire que c'est comme si Jésus-Christ disait ici clairement, Abraham, je l'ai vu physiquement. Et c'est ce qu'il disait également. Qu'il a vu Abraham physiquement. Qu'il a parlé avec Abraham. Et là, ça a choqué les Juifs. Ils lui disent, mais attends, mais tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham? En fait, quand Jésus-Christ disait ici que Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il a vu et il s'est réjoui, les Juifs qui connaissaient la parole ici, les pharisiens connaissaient les prophètes. Ils connaissaient la Torah. Et ils ont compris le langage prophétique du Seigneur.
Ils ont compris que Jésus leur disait clairement qu'il s'était manifesté physiquement à Abraham et qu'Abraham avait parlé avec lui. Alors là, ils disent, mais attends, tu dis que tu as vu Abraham? Mais attends, mais... Et là, ça faisait au moins, mes amis, au moins 2000 ans, pratiquement, hein, donc plus de 1500 ans, en tout cas au moins 2000 ans, qu'Abraham, mes amis, n'était plus. Alors là, Jésus leur fait comprendre qu'il y a 2000 ans, j'ai vu Abraham. Et Abraham m'a croisé et on a discuté. Vous vous rendez compte, mes amis? Mais alors, et là, ils disent, mais attends, mais t'es malade, hein, en gros. Hein. Tu n'as même pas encore 50 ans, tu as vu Abraham, et Abraham t'a vu. Et le Seigneur leur dit, en vérité, c'est-à-dire, ainsi dit l'Éternel, parce que le ainsi dit l'Éternel de la loi a été remplacé dans le Nouveau Testament par en vérité. Et quand on dit en vérité, ou ainsi dit l'Éternel, ça veut dire que c'est une parole, n'est-ce pas, infaillible. Et le Seigneur dit, ainsi dit l'Éternel, avant qu'Abraham fût. Je suis. Alors là, les Juifs ont compris également son langage. Donc ils ont dit, non, mais attends, non seulement que tu as dit que tu as vu Abraham il y a 2000 ans, et que tu lui as parlé, en gros, et deuxièmement, tu dis que avant qu'Abraham ne soit, tu es l'Éternel, tu es Yahvé. Vous devez comprendre que en hébreu, il n'y a pas d'auxiliaire avoir ni être. Ça, vous devez le savoir. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, dans la langue hébraïque, il n'y a pas l'auxiliaire être. Donc, ici, il n'est pas question, le je suis là n'est pas le je suis du verbe être, de l'auxiliaire être. C'est la personne même de Yahvé. N'est-ce pas? Donc, il n'y a que Yahvé, il n'y a que l'Éternel qui peut, n'est-ce pas, dire qu'il y a 2000 ans, il a parlé avec Abraham, il a vu Abraham. Et là, les Juifs étaient choqués parce qu'ils disent, mais attends, en gros, tu es fou, tu es malade. Et ils ont pris des pierres pour pouvoir le lapider. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse disait que les blasphémateurs devaient être lapidés. N'est-ce pas? Et là, Jésus, en parlant ainsi, a affirmé clairement sa divinité. N'est-ce pas? Et les Juifs ont compris que Jésus-Christ se présentait comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. En gros, le El Shaddai, le El Helion, c'est Elohim, Elohim, comme disent les Juifs. Et là, ils ont compris clairement son langage. Jésus affirme ici qu'il est Dieu, qu'il est Yahvé, littéralement. Et les Juifs ici se sont souvenus également de Exode 3. Lorsque Dieu va se révéler à Moïse, Moïse lui pose la question, mais si tu m'envoies comme tu m'envoies auprès des enfants des Hébreux, ils me demanderont, mais qui t'envoie? Ils me demanderont ton nom. Que leur répondrai-je? Que leur répondrai-je? Et le Seigneur lui avait dit dans Exode 3, tu leur diras que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Voyez? Donc ça veut dire que Moïse avait reçu déjà le nom de ce Dieu, donc c'est-à-dire Yahvé. Je suis ici, c'est Yahvé, l'Éternel. Et là, Jésus affirmait que c'est lui qui s'était révélé à Moïse dans le buisson ardent. Et là, les chefs étaient complètement choqués. Il y a une autre raison qui les a poussés à prendre des pierres pour pouvoir lapider le Seigneur. C'est que quand Moïse, dans Exode 19, avait demandé au Seigneur, dans Exode, pardon, 30, 31, 32, avait demandé au Seigneur, notamment 34, de lui montrer sa gloire. Fais-moi voir ta gloire, Moïse avait demandé au Seigneur. Dieu lui avait dit, personne ne peut voir ma gloire et vivre. N'est-ce pas? Donc, et là, en gros, Moïse avait reçu de Dieu que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et là, maintenant, Jésus qui affirme carrément qu'il est Dieu, les Juifs lui disent, mais attends, nous te voyons. On aurait dû mourir parce que nous te voyons. Si tu es Dieu, on aurait dû mourir parce qu'on ne peut voir Dieu et vivre. Mais ils n'avaient pas compris que ce Dieu avait un voile. N'est-ce pas? C'était voilé, parce que sa chair, c'était le voile. Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est un mystère. Maintenant, mes amis, ils ont pris des pierres, ils se sont dit, mais attends, mais il est malade ce monsieur, on l'a vu naître. On connaît son père, on connaît sa mère, et il affirme ici qu'il est Dieu. Mais attends, mais ça va pas. Et alors, mes amis, il dit clairement qu'il avait vu Abraham physiquement. Peut-on, mes amis, vérifier dans les Écritures si réellement
Jésus-Christ s'était révélé physiquement à Abraham. Parce qu'il a dit ici, oui, on peut le vérifier. Nous sommes, mes amis, dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 14. Alors, il y a des gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas, comme Melchisédek n'était pas une théophanie, c'est-à-dire une apparition une apparition de ce Dieu glorieux. Et que Melchisédek n'est pas une préfiguration de Christ. Mais ça, c'est une abomination. C'est une insulte même au Dieu glorieux qui s'est manifesté, mes amis, sous différentes formes avant son incarnation, parce qu'il était encore un mystère, notamment Jésus-Christ. Nous sommes dans Genèse 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et qui et lui et Abraham, pardon, lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Mes amis, regardez ici. Cet épisode-là est très très fort en révélation. Abraham revient, mes amis, vainqueur d'une longue, donc d'une longue bataille, d'une puissante bataille contre les rois. Donc il y avait une coalition des rois, mes amis, de la Babylonie contre justement les rois de Sodome. Et Abraham va libérer son neveu Lot. Et puis la Bible nous dit que il va recevoir une visitation de la part du Seigneur d'un individu appelé Melchisédek. Et on nous dit que cet homme Melchisédek, était roi de Salem. N'est-ce pas? Et ce roi, cet homme, Melchisédek, était à la fois roi et sacrificateur. Il était à la fois roi et sacrificateur. Alors, vous devez savoir que pour la première fois dans la Bible, nous avons ici, n'est-ce pas, c'est la première fois où l'on mentionne le mot sacrificateur dans les Écritures. Et c'est un rapport aussi avec, c'est un rapport direct avec Melchisédek. Et on nous dit qu'il était roi d'un pays qu'Abraham ne connaissait pas. Et ce pays s'appelait Salem. Et c'est aussi la première mention de Jérusalem, parce que Salem ici, c'est Jérusalem. N'est-ce pas? Jérusalem qui signifie fondement de paix. Voyez? Donc on nous dit que cet homme, Melchisédek, était roi de Jérusalem. Alors, quelque part, je vais lire rapidement un verset. Avant et revenir par la suite sur Genèse 14, dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur dit au verset 30, 33 à 35: Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu auras déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, c'est pas, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Voyez, Jésus-Christ affirme ici que Jérusalem est la ville du grand roi. Et qui est ce grand roi-là? C'est Jésus-Christ lui-même. N'est-ce pas? Qui est ce grand roi-là? Eh bien, c'est Melchisédek. Jérusalem ne peut pas avoir deux rois. C'est pas possible. Mélissa, tu comprends un peu l'illumination ici là. Voilà, les choses commencent à être claires. Voyez? Donc, Jérusalem ne peut pas avoir deux rois. Nous sommes d'accord. Il ne peut pas y avoir deux rois dans un royaume, Freddy. C'est pas possible. Voyez? Et la Bible nous dit clairement dans Apocalypse 19, à partir du verset 11 là-bas, que sur sa cuisse était écrit un nom. N'est-ce pas? Roi de rois et Seigneur de seigneurs. Et rappelez-vous bien que Jésus-Christ est né en tant que roi. Les mages sont allés, n'est-ce pas, à Bethléem demander
N'est-ce pas? Ils sont allés à Jérusalem, ils arrivent à Jérusalem, ils demandent aux pharisiens et à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître dans Matthieu 2? Il est né roi. Il a vécu, mes amis, en tant que roi, c'est-à-dire dans la sanctification, dans l'autorité contre les démons. Il a manifesté l'autorité du royaume en chassant les démons, en guérissant les malades. Et il est mort en tant que roi. Parce que sur, mes amis, il y avait un panneau, il y avait une pancarte, mes amis, sur la croix, qui c'était écrit en latin, en araméen et en grec. Mes amis, celui-ci est le roi des Juifs. Vous voyez? Donc, il est né roi, il a vécu en tant que roi et il est mort en tant que roi. Et il est le roi de Jérusalem. Vous voyez? Il a dit clairement qu'il ne faut pas jurer par cette ville parce que c'est sa ville. Donc voilà pourquoi ce roi, n'est-ce pas, Jésus-Christ de Nazareth, 2000 ans auparavant, c'est-à-dire 2000 ans avant qu'il ne s'incarne, avant qu'il ne vienne sur terre, il s'était révélé à Abraham sous la forme de Melchisédek, roi de Jérusalem. Et il n'est pas question ici de la Jérusalem terrestre. Il est question de la Jérusalem céleste. Voyez que Jean va voir dans le livre d'Apocalypse 21. Il voit la ville sainte qui descend du ciel, qu'on appelle le tabernacle de Dieu avec les hommes. La nouvelle Jérusalem. Mes amis, la ville du grand roi, Freddy. Voyez? Donc vous comprenez que Melchisédek ne peut pas être un autre individu que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et rappelez-vous bien que dans Genèse 14, ici, la Bible nous dit que Melchisédek, roi de Salem, a apporté à Abraham le pain et le vin. N'est-ce pas? Le pain et le vin. En tant que sacrificateur, mes amis, bien sûr, quand on parle de la sacrificature, des sacrifices, on voit automatiquement l'élément le plus important, c'est-à-dire le sang. N'est-ce pas? Donc ici, Jésus-Christ, comme il a dit dans Jean 8, Abraham, votre père, s'est réjoui parce qu'il a vu mon jour, c'est-à-dire la naissance de Christ, son ministère et sa mort expiatoire lorsque son sang a coulé. Voilà pourquoi ici, il a apporté, n'est-ce pas, à Abraham le pain et le vin. Et dans Jean 6, il dit clairement aux gens, celui qui ne mange de ma chair, c'est-à-dire le pain, ne peut avoir la vie. Celui qui ne boit de mon sang ne peut avoir la vie. Voyez? Donc ici, le pain et le vin, c'est l'image de la Pâque. C'est l'image de Jean 6, le pain, la chair de Jésus-Christ et son sang. C'est l'image de la Sainte Cène, le repas du Seigneur. N'est-ce pas? Et c'est clair. Et le Seigneur disait aux apôtres qu'ils n'allaient plus boire le fruit de la vigne avant l'instauration du royaume. N'est-ce pas? Donc voyez bien ici qu'il est question d'une théophanie, c'est-à-dire une apparition, n'est-ce pas, du Fils de Dieu avant son incarnation. Théophanie, c'est mes amis, Dieu en grec, c'est Théo. Phanie, c'est l'apparition. Donc les apparitions de Dieu avant la grâce, de Jésus-Christ avant la grâce. Et la Bible nous dit qu'il s'est révélé comme étant le sacrificateur du Dieu très haut. Le Dieu très haut, en hébreu, El Helion. El Helion. El, c'est Dieu. Lion, c'est haut. Très haut. N'est-ce pas? El Helion. El Helion. El Dieu, Helion, c'est très haut. Et ça veut dire que le Dieu, n'est-ce pas? Qui est le Dieu dont le Melchisédek est sacrificateur, est le Dieu très haut. Et rappelez-vous bien, mes amis, dans le livre de Philippiens chapitre 2. On nous dit que Jésus-Christ a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc son nom est au-dessus, c'est-à-dire le très haut. C'est clair. Le Nouveau Testament affirme, confirme que Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Donc qui d'autre peut être au-dessus de tout si ce n'est que le El Helion? Mes amis, c'est tellement évident. Il faut que l'Esprit nous ouvre les yeux pour que nous comprenions les Écritures. Jésus-Christ ne peut pas être au-dessus de... Mes amis, il est au-dessus de tout. Il ne peut pas être au-dessus de tout et ne pas être El Elyon lui-même. N'est-ce pas? Il est le El Elyon, le sacrificateur de ce El Elyon, le chemin qui amène à ce El Elyon, il est tout.
Et la Bible dit que c'est de lui la source, c'est par lui le moyen et pour lui la raison pour lesquelles il y a tout. Et j'aime cette parole de Romain où Paul dit, c'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui que sont toutes choses. C'est de lui, il est la source. C'est de par lui, c'est le moyen, le chemin. Et c'est pour lui, c'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu a créé toutes choses. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, Melchisedec, là, vous voyez que mes amis, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, avant son incarnation. Et allons dans le livre de Romains, chapitre 6. Hébreux, chapitre 6, pardon. Hébreux, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 17. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Chapitre 7. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Salem, Jérusalem. Jérusalem, c'est le fondement de la paix. Il est sans père. Donc, voyez bien que ce Melchisédek est Dieu lui-même. On nous dit que ce Melchisédek est sans père. Qui peut aujourd'hui, mes amis, donner le nom du Père de notre Créateur, de notre Dieu. Jésus-Christ, en tant que Dieu, n'a pas de Père, n'a pas de Mère, parce qu'il est Dieu. N'est-ce pas? En tant que Fils, il y a le Père, ça c'est clair, ça reste un mystère. Il est sans Père, ce Melchisédek, sans Mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. On nous dit que ce Melchisédek est sacrificateur à perpétuité. Mes amis, ça c'est le Nouveau Testament, Freddy qui le dit. Ça veut dire que Melchisédek est sacrificateur éternellement. Il est dans une sacrificature qui n'est pas transmissible. Peut-on prouver que Jésus-Christ a la même sacrificature? Oui, frère. Allons dans Hébreux, chapitre 7 toujours. Mes amis. Nous allons dans Hébreux chapitre 7, au verset 23. De plus, il y a eu plusieurs sacrificateurs en grand nombre. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, c'est aussi, donc, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc Jésus-Christ a reçu un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc un sacerdoce qui est perpétuel, Freddy, qui est éternel. Donc c'est le Melchisédek. Voyez mes amis. Donc il ne peut pas y avoir deux souverains sacrificateurs. C'est pas possible. Qui reste, qui ait reçu un sacerdoce perpétuel. Donc Melchisédek, c'est Yehoshua HaMashiach. Et la Bible nous dit qu'il est sans père, sans mère. Il n'a pas de commencement de vie et il n'a pas de fin de vie. Qui d'autre, mes amis, que Dieu, qui n'a ni fin, ni commencement de vie, ni fin de vie? Qui d'autre? La Bible nous dit que Dieu n'a pas de généalogie. Vous ne pouvez pas, mes amis, trouver une généalogie de Dieu. Jésus-Christ, homme, a eu une généalogie. On la voit, mes amis, dans Luc 3 et dans Matthieu, bien évidemment. Mais Jésus-Christ, en tant que Dieu, Dieu n'a pas de généalogie. Vous allez remonter, 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 remonter jusqu'à l'éternité, vous allez vous fatiguer parce qu'il n'y a pas de généalogie. Voilà. Donc voilà pourquoi Marie n'est pas la mère de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de père. Elle est la mère de Jésus-Christ, homme.
Voyez, mes amis, donc Jésus-Christ s'est bel et bien révélé, mes amis, 2000 ans avant son incarnation à Abraham. Voilà pourquoi dans Jean 8, il a dit clairement que votre père Abraham, je l'ai vu, il m'a vu et il s'est réjoui. Donc c'est Melchisédek. Quand Abraham avait vu Melchisédek, il avait compris que c'était le Messie. Parce que Abraham est le père de la foi, nous dit les Écritures. Il ne peut pas être père de la foi sans avoir reçu, mes amis, une révélation claire de la personne principale de la foi que nous professons. Parce que la foi est basée sur Christ. Donc, Abraham étant le père de la foi, en tant que père de la foi, c'est normal qu'il ait reçu une révélation claire sur la personne centrale de la foi, qui est Yehoshua HaMashiach. Voilà. Donc, vous avez compris que Jésus-Christ s'est bien révélé à Abraham sous la forme de Melchisédek. Et ce Melchisédek, mes amis, nous dit la Bible, est sacrificateur à perpétuité. Or, Jésus-Christ, mes amis, actuellement, mes amis, au ciel, joue la fonction, le rôle de souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Il intercède pour nous, nous disent les Écritures. Nous disent les Écritures. Donc, il prie pour nous. Il est notre souverain sacrificateur. Voilà, mes amis. Selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que selon, c'est-à-dire c'est lui-même le Melchisédek. Et il s'est révélé également sous la loi, sous la forme de l'ange de l'Éternel. Alors, il y en a qui disent que Jésus-Christ n'est pas l'ange de l'Éternel, mais ça, c'est une abomination. C'est une insulte, mes amis, que de dire que Jésus-Christ n'est pas l'ange de l'Éternel. Il s'est révélé sous la loi, n'est-ce pas, en la personne de l'ange, sous la forme de l'ange de l'Éternel également. Il y a eu plusieurs choses qui étaient des préfigurations de Yahushua. Le rocher que Moïse avait frappé dans le désert, nous dit 1 Corinthiens 10, c'était Yahushua, Jésus-Christ, mes amis. Donc vous voyez qu'il y a eu plusieurs choses, plusieurs figures, plusieurs préfigurations, plusieurs personnages qui jouaient, mes amis, qui étaient des préfigurations. Même les prophètes étaient des préfigurations de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, Moïse notamment, parce qu'il a eu la même mission que le Seigneur, celle de délivrer le peuple. Maintenant, regardez ce que la Bible nous dit. Il y a un passage, la clé, qui confirme bel et bien, Freddy, que l'ange de l'Éternel, c'était lui-même Jésus-Christ de Nazareth, lui-même Dieu. Allons dans Genèse 22, si Mélissa peut nous faire la lecture. Genèse chapitre 22. Et on va lire à partir du verset premier. Genèse 22, à partir du verset premier. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moriah et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le jeune et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Regarde, mais laissez le verset 15. Regarde le verset 15, si je peux le lire. Amen. 15 et 16. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. L'ange de l'Éternel appela qui? Abraham. Abraham, une deuxième fois, d'où? Depuis le ciel. Depuis le ciel. Hein? Oui. Un ange qui appelle Abraham depuis le ciel.
Les anges n'appellent pas les hommes depuis le ciel. Continuons. Il dit, je le jure par moi-même. Oh. Déclaration de l'Éternel. L'ange de l'Éternel dit, je le jure par moi-même. L'ange de l'Éternel ici dit à Abraham. Quand Abraham dit que, quand Jésus-Christ disait dans Jean 8 que votre père Abraham a vu mon jour, Jésus-Christ voulait parler de deux théophanies qu'il avait données à Abraham, c'est-à-dire Melchisédek et également l'ange de l'Éternel. Amen, amen. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel appelle Abraham des cieux et lui dit, je le jure par moi-même l'ange de l'Éternel, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton eunuque, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Mes amis, amen. C'est l'ange qui dit, je le jure par moi-même, l'ange de l'Éternel. Amen. Je bénirai. Il n'a pas dit, Dieu va te bénir. Il dit, moi, je bénirai. Mes amis, attends, ça c'est encore un verset. Vous allez dire, mais attends, Chora. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Parce qu'il faut que l'ombre soit confirmée par la réalité. Amen, amen. Allons dans Hébreux, Mélissa, chapitre 6. Si tu peux nous lire rapidement Hébreux, chapitre 6 maintenant, le verset 13. Et ça, ça va fermer, mes amis, ça va museler tous ces faux prophètes. Ça va museler tous ceux qui se lèvent comme étant des docteurs au jour d'aujourd'hui. Comme Paul dit, il faut que ces hommes et ces femmes soient, mes amis, qu'on ferme leur bouche. N'est-ce pas? Il faut fermer la bouche des faux prédicateurs parce qu'ils égarent le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Avec des fausses doctrines. Il faut réfuter les contradicteurs. Et la parole est claire dans Hébreux chapitre 6. Mélissa, ça c'est une parole qui va couper la tête des faux prophètes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux chapitre 6, verset 13 dit Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Oh, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, voilà. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. C'était donc fou. S'il y avait quelqu'un qui était plus grand que l'ange de l'Éternel, voilà. Il aurait juré par cette personne-là. Alléluia. Mais comme il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'ange de l'Éternel, il Alléluia. A juré par lui-même. Voilà, la parole dit, verset 14, uh-huh. Et dit... Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ah. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Voilà ce que les Écritures disent, mes amis. Amen. Nous devons être bibliques. Mm-hmm. J'aime, mes amis, la parole. J'aime le Seigneur. Amen. Et j'aime aussi, mes amis, la confrontation, pas charnelle, mais une vraie confrontation biblique pour couper la tête des faux prophètes. Amen. Et pas une confrontation avec les adultères, les impudiques, les fornicateurs qui quittent leurs femmes, qui vont se remarier et qui continuent à faire le ministère. Mais avec des gens, mes amis, qui pensent avoir la vérité, de tenir la vérité et qui annoncent des hérésies. Et qui nient la divinité de notre Yeshua HaMashiach. Jésus ne peut pas être Dieu, mes amis, et sans s'être révélé à Abraham, aux hommes de l'époque d'avant la grâce. C'est pas possible. Il ne peut pas être Dieu sans s'être manifesté, mes amis, visiblement, physiquement, sous la forme notamment de Melchisédek et de l'ange de l'Éternel. Et vous avez vu ici clairement, ce sont les Écritures, mes amis, vous qui nous suivez ce soir en direct, aussi bien sur Radio de Vie que sur Télé de Vie, vous les avez entendus. Vous avez bien lu vous-même que quand l'ange de l'Éternel, ici dans Genèse 22, dit au verset 15 et 16 à Abraham, que je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, l'ange va jurer par lui-même. Et Jésus, dans Matthieu 5, a dit également, on l'a lu, ne jurez pas par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Vous voyez? Et l'ange de l'Éternel jure par lui-même. Et dans Hébreux, là-bas, l'auteur de cette épître nous dit que lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même, il jura par lui-même et dit, je te bénirai. Donc, il n'y a pas plus grand que l'ange de l'Éternel.
Vous vous rendez compte ici, Freddy? Ça, c'est quelque chose de terrible. Alors, si quelqu'un se lève encore pour oser dire que l'ange de l'Éternel n'était pas une apparition visible de Jésus-Christ avant son incarnation, cette personne-là, il faut l'enfermer, il faut l'interner. Elle mérite la prison. Et comme Paul dit dans Tite 1:9, les anciens doivent être bien enseignés, attachés à la saine doctrine, à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin de réfuter les contradicteurs et de fermer la bouche des faux ouvriers. C'est clair. Et on va encore voir que l'ange de l'Éternel était lui-même Dieu. Parce qu'il parle en plus ici à la première personne du singulier. Je te bénirai. Hein? Jamais Gabriel a dit je te bénirai à quelqu'un. Jamais l'ange Michael a dit à quelqu'un je te bénirai. Jamais Gabriel a dit je me tiens devant Dieu. Mais l'ange de l'Éternel dit je te bénirai. Ah oui, frère. Nous sommes dans Genèse. Mélissa. Dans Genèse, si tu peux nous prendre, s'il te plaît, Genèse 31. Les versets 11 et 13. Genèse 31, versets 11 et 13. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Wow! L'ange de Dieu, ou l'ange de l'Éternel, dit à Jacob, cette fois-ci ce n'est plus Abraham, il continue maintenant à se manifester. N'est-ce pas? Il ne s'est pas arrêté à Abraham. Il va se révéler maintenant au petit-fils d'Abraham. Il lui dit, je suis le Dieu de Bethel. Mais vous vous rendez compte, frère? Rappelez-vous bien, mes amis, l'enseignement au commencement. Bereshit, Bara Elohim, Vet, Ashamayin, Et Haeret. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et rappelez-vous bien que l'alphabet hébraïque compte 22 lettres. Et la première lettre, c'est Aleph. Aleph est une lettre muette. Et la deuxième lettre, c'est Bet. Bet a la forme d'une maison. Et la Bible, vous l'avez vu, commence avec Bet. Au commencement, avec Bet, et non avec Aleph. Bet, c'est la maison. La maison ici, c'est la maison de l'Éternel. Et Bet, Lehem, maison du pain, on retrouve Bet, la deuxième lettre. Et Bethel également, Bet. Et elle. E-L, c'est Dieu. Bête, c'est la maison. Vous voyez? Et la Bible dit que l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, est le Dieu de Bethel. Vous vous rendez compte, frère? Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Donc, Jésus-Christ, avant son incarnation, a affirmé à Jacob qu'il est le Dieu de Bethel. Et Bethel est la maison de Dieu. Malheureusement, à l'époque d'Amos, dans Amos 7, Bethel était devenue la maison du roi. Jéroboam 2. Ce n'était plus la maison de Dieu. Donc vous voyez, comme frères et sœurs, Bethel, c'est la maison de Dieu. Dieu, c'est le Dieu, n'est-ce pas, de cette maison. Et son nom, avant la grâce, c'était l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel. Vous vous rendez compte ce que cet ange est en train de proclamer ici, mes amis? Mélissa, c'est grave. C'est écrit. C'est clair. Et l'ange de l'Éternel s'est révélé également à Agar. Il a dit à Agar, Agar, je bénirai ton fils. Mais vous vous rendez compte, mes amis? Oh, oh là là, ça. Et un avant-dernier verset par rapport à l'ange de l'Éternel. Juge 13, Mélissa. Juge 13. Juge 13. Juge 13. Dis-nous juste le verset. Le verset 15 à 18. Juge 13, verset 15 à 18. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Il ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Continuons. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? Quel est ton nom
afin que nous te rendions gloire lorsque ta parole s'accomplira. Manoac a voulu avoir le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, avant son incarnation. Amen. Donne-nous ton nom, n'est-ce pas? Rappelez-vous bien que son nom était un mystère, son nom était caché. Et que Saul, avant que son nom ne soit révélé, les démons n'étaient pas chassés. Voilà pourquoi sous la loi, aucun prophète n'a chassé un démon. Parce qu'on ne pouvait pas le chasser sans la révélation de son nom. Amen. Satan n'a peur que d'un seul nom. Amen. Alléluia, my God. Alléluia. Et rappelez-vous bien que Manoac, le père de Samson, à cette époque était combattu. Les Israélites étaient combattus par les Philistins. Et Manoac a compris que seule la révélation du nom de l'Éternel, seule la révélation du nom de l'ange de l'Éternel pouvait leur accorder la délivrance. Amen. Mais regarde, continuons la lecture maintenant. Et Manoac dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Mais ça c'est terrible ce que cet ange dit, Mélissa, ici. En fait, le mot merveilleux ici, hein, poélé en hébreu, qui signifie aussi extraordinaire, n'est-ce pas, incompréhensible et... Et c'est le même terme hébreu que l'on retrouve dans Ésaïe chapitre 7. Oh my God, oh my God. Oh, que Dieu soit béni. Le nom. Il est question ici du nom. Alléluia. Alléluia, que Dieu soit béni. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Oui, ben, Ésaïe chapitre 7. On va nous lire... verset 14, si tu peux nous lire cela. Ésaïe 7, 14, la Bible dit. Frédéric, non, merci. Il n'y a pas de problème. Verset 7 à 14. Hein. Je commence à verser verset 7. Voilà, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ok, verset 14. Voilà. Ok, 14, excuse-moi. La Bible dit, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Ok, on l'appellera Emmanuel. Et Ésaïe chapitre 9, Noko, Freddy, le verset 5. Le Ésaïe 9, 5. Ok, le peuple qui marchait dans le... Le verset 5, juste le verset 5. Ok, pardon. Okay. Merci. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ok, d'accord. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté se reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. On l'appellera comment? Merveilleux. Merveilleux. Et l'ange dit à Manoac, mon nom est merveilleux. C'est le même terme grec pratiquement, hébreu pardon. Donc, et ce terme-là, en hébreu, signifie aussi mystère. Donc, dans d'autres versions, on dit, l'ange lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est un mystère. Parce que avant que cet ange ne s'incarne, son nom était un mystère. Voilà pourquoi Paul dit que ce mystère, n'est-ce pas, les prophètes d'avant la grâce en ont fait un objet, n'est-ce pas, de recherche et d'investigation. Ils voulaient sonder l'époque. Ce mystère n'a pas été révélé aux prophètes d'avant la grâce, aux fils des hommes des autres générations, comme il a été révélé maintenant aux saints apôtres et prophètes de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc voilà pourquoi, frère, quand maintenant Jésus-Christ est né, l'ange Gabriel dira à Marie, tu donneras naissance à un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Jésus, c'est Yehoshua. Yehoshua, Yahvé sauve. Manoac avait besoin du salut, de la délivrance par rapport aux Philistins. Et seul le nom révélé de l'ange de Dieu pouvait leur accorder la délivrance. L'ange lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et regarde maintenant, continue dans le juge là-bas, Mélissa. Le nom de l'ange de l'Éternel était un nom mystère, était un mystère. Et c'est normal, et ce mystère, mes amis, a déjà été révélé. Juge là-bas. Manoac prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoac et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoac et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoac et à sa femme. Alors Manoac comprit que c'était l'ange de l'Éternel
Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Tu te rends compte? Wow. My God! Mes amis, vous allez dire que l'ange de l'Éternel n'est pas Dieu lui-même? Mais ça, c'est une aberration, une abomination. Les Écritures le disent clairement. Quelle Bible avez-vous pour affirmer de telles niaiseries, dire que l'ange de l'Éternel n'était pas Jésus-Christ lui-même? Manoac a compris que l'ange de l'Éternel était Dieu lui-même. Et il va dire, malheur, car nous allons mourir, nous avons vu l'ange de Dieu, nous avons vu Dieu lui-même. Il y a une chose ici qui me frappe. L'ange de l'Éternel, nous dit la parole, monte avec la fumée. Il s'est associé à cette offrande-là, il est monté dans, mes amis. Quel ange, quel autre ange peut-il avoir, mes amis, l'audace de s'octroyer, de prendre carrément cette offrande? Vous vous rendez compte, mes amis, Jésus-Christ est bel et bien l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est bel et bien Jésus-Christ. Vous voyez? Vous allez voir que dans le Nouveau Testament, on ne parle plus de l'ange de l'Éternel. On ne parle plus, mes amis, de l'ange de l'Éternel. Parce que c'est Christ maintenant, révélé. C'est clair. À part dans Apocalypse 8, on voit un ange qui présente les offrandes, tout ça au Seigneur, tout ça. Et où l'on voit Christ en tant que l'ange de l'Éternel en train de présenter les offrandes, la prière des saints au Père. Mais l'ange de l'Éternel était Dieu lui-même. Et son nom était merveilleux, mystère, littéralement. Mes amis. Et le dernier verset qu'on va lire par rapport à l'ange de l'Éternel, il y en a tellement. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1er. Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Mes amis, amen. Mes amis, l'ange de l'Éternel dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Moi, l'ange de l'Éternel, j'enlève ton iniquité. Attention. Là, il faut pas, mes amis, il faut pas se moquer avec du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez toucher à Chora, il n'y a pas de problème. Mais quand vous commencez à toucher à la divinité de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez me rencontrer sur votre chemin. Ça, c'est clair. Ce n'est pas la chair qui parle. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est mon bien-aimé d'amour. Il est l'amour de ma vie. Il est mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Mes amis, si au jour d'aujourd'hui, je peux prêcher l'évangile tel que vous le voyez, c'est grâce à lui. Si aujourd'hui, frère, j'ai pu quitter la délinquance, c'est grâce à lui. Si au jour d'aujourd'hui, je peux, mes amis, me tenir devant vous pour prêcher l'évangile, c'est pas parce que, mes amis, j'ai fait les études ici et là, c'est parce que Jésus-Christ m'a sauvé. Donc, quand on touche à la divinité de Christ, automatiquement, on rencontre les hommes et les femmes qu'il a sauvés. Oui, frère, vous allez me dire, mais est-ce que Christ a-t-il besoin d'être défendu? Frère, nous sommes établis pour défendre la sainte doctrine. La parole le dit. Jude nous dit dans Jude 3, mes amis, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Et on dit que c'est l'ange de l'Éternel qui va enlever l'iniquité, qui va ôter-lui les vêtements sales. L'ange de l'Éternel donne des ordres aux anges. Connaissez-vous un autre ange qui donne des ordres comme ça aux anges au ciel? Ôtez-lui les vêtements sales, puis dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Vous vous rendez compte, mes amis? C'est incroyable, Mélissa. Et Jean,
Baptiste, dans Jean 1, 29, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Rappelez-vous bien, mes amis, ici, que c'est Christ qui ôte le péché. Vous voyez? Et l'ange de l'Éternel, mes amis, s'est carrément ici octroyé cette prérogative. Celle, n'est-ce pas, d'ôter le péché des hommes. Qui d'autre que l'ange de l'Éternel, que Jésus-Christ de Nazareth, pouvait, peut encore, ôter nos péchés? Dans 1 Jean 2, on nous dit que c'est lui qui est notre victime expiatoire, notre avocat. Alors, vous voyez bien que, mes amis, avant que Christ ne s'incarne, il était là. Voilà pourquoi dans Jean 1, il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie des hommes. Et cette parole s'est faite chair, nous dit la parole. Oh my God. Et elle est venue parmi nous, pleine de vie. Et dans Romains chapitre 9, Paul dit clairement que Jésus-Christ est Dieu. On l'a adoré, vous le savez. Et on l'adore. Et je peux vous assurer, frère, alléluia, my God. Oh, que Dieu soit béni. Vous voulez comprendre Dieu avec votre raisonnement, vous allez passer à côté. On a déjà du mal à saisir la création, à compter les étoiles. Avant de chercher à comprendre Dieu, commencez déjà par comprendre la créature, la création. Donnez-moi le nombre exact des étoiles du ciel. Et là, on pourra par la suite bien discuter. Si déjà on a du mal à comprendre, déjà même l'homme lui-même. Vous savez que dans l'homme, il y a déjà plus de 100 milliards de cellules. Vous vous rendez compte? L'homme paraît petit, mais en même temps, il paraît infini. Alors, vous voulez connaître Dieu qui est infini, mais vous allez vous mélanger, comme on dit. Voyez, vous embrouillez. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Il est le lion de la tribu de Judas. Il est le rejeton de David. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la pierre angulaire. Et cette pierre-là, mes amis, nous dit Zacharie, a sept yeux sur elle. Mes amis, il est l'agneau par excellence. Il est le lion de la tribu de Judas. Et chacune, mes amis, chacun de ces aspects, mes amis, est tellement profond. Le lion représente le royaume. L'agneau, mes amis, comment pouvez... Il faut arrêter. On dit qu'il faut être en Christ et Christ est, on dit qu'il est en nous et nous sommes en lui. Mais c'est ça. Comment pouvons-nous être en quelqu'un et ce quelqu'un-là est en même temps en nous? C'est possible. Nous avons mangé l'agneau pour avoir le salut. L'agneau, c'est le sauveur. C'est la bonté, c'est l'amour. Maintenant que nous avons mangé l'agneau qui est en nous, Jésus-Christ, nous avons eu le salut. Et maintenant, le lion doit nous manger. Ça, c'est le royaume. On doit mourir. L'agneau est en nous et nous sommes dans le lion. Vous vous rendez compte, frère? Ça, c'est merveilleux. C'est puissant. Et il est également les quatre êtres vivants dont parle Apocalypse là-bas, frère. Chacun d'eux a un aspect de Christ. Le lion, c'est Christ. Le bœuf, c'est Christ, c'est le serviteur. Voyez? Et mes amis, nous sommes des lionceaux, nous sommes de bœufs. Et je le réaffirme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes des serviteurs. Il y en a un qui a la face de l'homme, fils de l'homme. C'est écrit, Jésus-Christ. Le livre de Luc parle de Christ en tant que fils de l'homme plus de 132 fois. Et il est également, mes amis, l'aigle. L'aigle, c'est le prophète, c'est l'évangile de Jean. Oui, frère. Et la Bible dit clairement qu'il a porté les enfants d'Israël sur les ailes d'aigle. C'est écrit dans les Écritures. Cela ne doit pas vous choquer. Et mes amis, vous allez dire que c'est l'antéchrist. L'antéchrist ne peut pas parler de Christ. Il est contre Christ. Et moi, j'aime Jésus. Je le kiffe. Je l'adore. Et je le servirai jusqu'à la fin de ma vie. Je vous dis, mes amis, il est le seul chemin, la seule vie, la seule vérité. Il est incontournable. C'est la personne centrale des Écritures. Toute la Bible parle de lui. Que son nom soit glorifié. Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'était juste une petite exhortation ce soir pour remettre les pendules, les choses en place, mettre les pendules à l'heure pour que chacun puisse se positionner. Ne soyez pas troublés par les charlatans qui peuvent se lever ici et là, mes amis, qui vous troublent. Il faut que chacun comprenne qui est Christ. C'est la base. Dieu est grand. Jésus-Christ est Seigneur. Et il revient, mes amis, il revient. Et bientôt, nous allons partir avec lui. Nous allons passer l'éternité avec lui. Et c'est ma star préférée parce que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Que son nom soit glorifié, élevé, magnifié, exalté. Mes amis, au nom de Yahushua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Que son nom soit béni.